Alright, fait que David Jeker, on est le 19 octobre 2021, exactement une semaine et deux jours depuis ta victoire au Bromont Ultra 55 km. Comment ta récupération s'est passée depuis? Ça va quand même bien, je pense que la fin de semaine passée, j'étais un peu fatigué quand même, c'est assez normal, une semaine après une fois. Ça revient un peu mieux, mais je pense que je suis pas 100% remis, mais de toute façon, le but c'est d'être 100% remis dans 10 jours pour la saison verticale, fait que je vais être... C'est ça. Fait que justement, pour te préparer à cette course-là, aujourd'hui, t'as un entraînement, quand même un gros entraînement, avec beaucoup de variété de terrain, beaucoup de variété d'intensité. Peux-tu nous expliquer c'est quoi l'entraînement exactement aujourd'hui, puis pourquoi tu as choisi cet entraînement-là aujourd'hui à 10 jours de ta prochaine course? Donc c'est mon spécial du chef, donc mes athlètes vont peut-être reconnaître un peu la séance. Dans ce cas-ci, je fais 5 fois la piste de ski derrière l'Université de Montréal, donc environ moins de 3 minutes pour moi. Donc l'idée c'est de faire environ 5 fois 3 minutes, intensité comme un peu de travail VO2 max, donc presque à mon VO2 max. Puis après ça, je fais un tempo en montée dans le chemin Olmsted qui je pars pas d'en bas en bas parce que ça me prend à peu près 20 minutes. Puis c'est une séance, dans le fond, pour les montées, la récup, c'est vraiment 2 heures de descente. Puis avant le tempo, c'est de me rendre là-bas. Là. Idéalement, j'aimerais ça plus court, mais il faut faire le terrain qu'on a. Puis c'est une séance que je fais souvent avant, une dizaine de jours avant une course, c'est comme ma dernière grosse séance. Je l'ai fait avant QMT. Je l'ai fait avant Bromont aussi, toujours avant. Okay. J'ai même des références de c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, justement, ton but, essaies-tu de battre tes anciens temps ou c'est plus tu y vas par effort puis ça va donner ce que ça donne? Ben, j'y vais quand même au feeling. Là. Je sais que j'ai pas regardé les temps précisément, mais je sais que c'est environ. Tu sais, si je suis en bas de 2 minutes 45 sur chacune des montées, c'est vraiment solide. Okay. Puis tant que je suis pas en haut de 2,50, c'est quand même bon. L'important, c'est de rester quand même. La première, je la fais un peu, je me retiens parce que sinon, ben, ça se crappe. Ah ouais, non, c'est ça. Non, surtout que tu as quand même un gros tempo à la fin, là, fait que ouais, tu essaies de bien gérer ça. J'essaie de maintenir l'intensité, là, fait que j'essaie pas de faire, même la cinquième, j'essaie pas de faire la cinquième plus que les autres parce que je veux m'en garder un peu plus. Exact, exact. Puis le tempo, ça c'est vraiment, quand j'ai le tempo, moi, c'est vraiment du seuil. Fait que j'essaie d'être au seuil, encore là, c'est au feeling. Parfait. Puis dès que je peux regarder après là, la fréquence cardiaque, qui paye, parfait. Alright. Puis dernière question, je me demandais ça, j'ai vu que c'est un entraînement, tu as quand même beaucoup de variétés de terrain. Tes souliers que tu utilises, c'est plus des souliers de route, des souliers de trail ou un mix? Ça, c'est des Adidas Terrex Speed Pro. Puis c'est mes shoes que je prends pour tout. En fait, à Bromont, j'avais ça à Ricana. Quand c'est vraiment beaucoup de boue, c'était pas les meilleurs, mais sinon, c'est des souliers de trail vraiment légers, minimalistes. Okay. C'est, un peu comme les Sands de Salomon, mais. Ok, ouais, ouais. Ils sont bons sur route aussi. Mais la grip est un petit peu meilleure sur ceux-là, je trouve. Okay. Puis peut-être un 10 grammes de moins. Ah, c'est, on a l'air ultra léger. Ouais. Fait que. Parfait. Fait que là, on a déjà fait un warm-up d'environ 15-20 minutes. Ouais, une vingtaine de minutes, ouais. Parfait. Fait qu'on va se rendre en bas des pistes de ski, puis on va partir ça. On part par là. Ouais. Parfait. On se droppe dans le. Descends sur le. Ah, descends, ouais. Ça niaise pas. Ouais, good job. 2h21, ça commence raide. C'est ton record, ça, environ? Non. Je voudrais que je voie, là, mais.
C'est proche. Le segment, c'est avant long, il est 2,06 je pense. Okay. Mais ça commence l'entraînement en force. Ouais. Je pense que c'est l'effet YouTube. Ouais. Ben écoute, juste les 20 secondes que j'ai faites avec toi, là, je pompais là. Ah oui, je t'attends ici, tantôt. Yes. Good job. T'as combien celle-là? 31. C'est bon. Sens-tu que c'est le bon effort présentement? C'est pas la troisième avant de référence. Alright, good job, that's it. Alright, let's go, lâche pas! Alright, fait qu'on est en bas de l'intervalle numéro 3 sur 5. Ça a l'air d'aller super bien à date. Il est parti un peu vite, je pense, mais il a déjà fait ce workout-là dans le passé, fait que je pense qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Alright, good job, déjà à moitié de fait. OK. Ça, c'est le vrai pace, normalement. OK, bon, ouais. Fait que là, tu vas essayer de tenir ce pace-là pour ouais. Les deux dernières répétitions? Exact. Parfait. Alright, et on passe. Fait qu'on est ici dans la descente du quatrième intervalle sur 5 de David. À date, je pense que ça a l'air de bien aller. Il a l'air satisfait. C'est quand même un entraînement assez difficile, surtout en termes de pacing, là, parce qu'il faut vraiment faire attention de ne pas partir trop vite dans les intervalles, parce qu'on a quand même un assez long tempo d'environ 15-20 minutes après. Fait que si on part trop vite, là, c'est sûr qu'on va payer pour pendant le tempo. Alright, good job, David. Il en reste juste un. 45 seulement, fait que c'est bon. Parfait. Let's go, good job, ça va bien. Let's go jusqu'au bout.
John, t'es en combien celle-là? 2,41, c'est bon. Ouh. Fait que t'as tenu les trois derniers là, assez ouais. Constant. Yes. Ok. Plus que la. Ouais, c'est ça. Premier était quand même un 2,20, je pense, tu m'as dit. Ouais. À 20 pieds, là. Ouais. Pendant les intervalles, là, c'est sûr, des intervalles comme ça, c'est en montée vraiment à pic. Le pace, là, ça veut pas mal rien dire. Fait que, sur quoi tu te fies quand tu fais ces intervalles-là? Est-ce que c'est plus ton rythme cardiaque, l'effort perçu? Comment tu fais pour savoir si c'est vraiment la bonne intensité que tu fais? Ben, d'abord au feeling, mais sur ma montre, il y a le temps du lap, il y a la vitesse en équivalent plat. Okay. Donc le gap ou. Ouais, c'est ça que tu me disais tantôt. Ouais. Ça, c'est Garmin qui peut faire ça. Ouais, c'est la vitesse ajustée à la pente. Exactement, je pense que c'est fait que la vape, point, c'est ça. Ouais. Fait que dans le fond, ça, ça dit, mettons que tu cours à 7 minutes du kilomètre, mais la pente est à 20%. Là, ta montre, elle va te dire, ben. 3,30. C'est comme, ouais, c'est ça. C'est comme si tu courais à 3,30 sur du plat. Ouais. Okay, puis en bas, j'ai le vrai pace. OK. Ouais, puis ça dépend des. Ça dépend vraiment des courses, là. Ouais. Ou des entraînements, mais tu sais, des fois, j'ai même la vitesse verticale. Fait que j'ai l'équivalent plat. Ok, la vitesse en mètres à l'heure en bas. Ok, intéressant. C'est si mettons que je fais du skimo ou ben. Ouais. Des intervalles vraiment dans des grosses pentes. Ouais. Mais celle-là, j'aime quand même mieux avoir le. En fait, je regarde pas le pace dans mon TV. Ouais. Puis en plus, j'imagine, vu que tu fais déjà cet entraînement-là plusieurs fois par année, t'as quand même déjà des points de repère, là. Fait que tu sais un peu à quoi t'attendre. Là. Ouais, c'est comme là que ça allait, tu voulais faire entre 2,40 et 2,50. Ouais. Puis dans le fond, j'étais à. 2,45 et moins, fait que. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ça montre que t'es en shape, même une semaine et demie après un ultra. Ouais. Thank you.
Alright, let's go, garde de pace. Alright, good job David, quasiment fini. Pas plus qu'un kilomètre. Good job. Hey, good job, man. Ah. C'est bon. Ben oui. Quel temps pour le tempo? Hein? Quel temps que t'as fait pour le tempo? 19, 11. Ouais. Mais je vais pars quand même à une place. Fait que je compare les segments Strava. Ouais, ok. C'est mes segments qui partent en premier jour. Ah ouais? T'as-tu d'autres entraînements, d'autres intensités prévues avant ouais, le vertical? Ouais, quand même. T'sais, moi, je fais un gros training par semaine d'intervalle, là, c'est ça. Ok. Puis généralement, l'autre intensité, c'est plus des sprints. Ok. Et là, je pense faire des intervalles de sprint, genre des 30 secondes, genre all out avec 4 minutes de récup de jog. Ok, 4 minutes quand même. Oui, c'est ça, c'est vraiment. C'est vraiment juste pour travailler la puissance, là, vraiment. Ouais, ça reste que quand c'est 30 secondes, tu jogues les récup, ça reste quand même cardio vu que la récup est vraiment aérobique. Ok, ouais. Puis après ça, la semaine prochaine, ça va être soit en début de semaine, soit des intervalles ou Camillien Hood à bloc, c'est tout. Ok, quand même. Si les jambes sont bonnes. Bon. Donc là, t'as la course au Massif du Sud la semaine prochaine.
Ça, est-ce que ça va être la dernière course de 2021? Ouais, ça devrait être la dernière. Puis, okay. Tu sais, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde plus fort que moi. Fait que je pense que. Ça va partir vite. Ça va partir vite, puis je pense que c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que je serais même pas assez fort pour suivre, tu sais. Ouais. Fait que je me dis, avec un peu de temps, les gars en avant vont s'auto-détruire. Ouais. Puis je peux quand même finir avec une bonne position. Ouais. En gros, même si je suis par exemple le 10e meilleur sur papier, peut-être bien que ça dans le tank de course, je peux quand même finir grand 5e, tu sais. Ouais, non, je comprends. Mais j'ai aucune idée qui est là, qui dit ça, c'est. Ouais. Mais je pense qu'il y a pas mal de coureurs de route aussi. Que, ouais, c'est ça. Que nous, tu sais, du monde des trails, on connaît un petit peu moins, là. Fait que ça va être. Mais quand même, la saison de cross country n'est pas finie non plus. Fait que je sais pas si on. Ouais. C'est quand les provinciaux de cross, hein? Je pense que c'est la fin octobre actuellement, là, début novembre. Fait que. Je ne regrette pas que c'est pas en même temps, parce que c'est quand même dommage qu'on manque que. Ouais. Tu sais, le parcours est tellement plat. Ouais. Que tu sais, si le champion québécois 10 km sur route se présente, ouais. Ben, techniquement. Exactement, ça c'est courable tout le long. Fait que. Ouais. Ça serait malade, ça, si eux feraient ça. Puis sinon, pour les années d'après. Moi, quand j'ai l'impression que toi, dans le passé, t'as fait beaucoup de très longs ultras, style t'sais, des courses de 100 km avec du immense dénivelé. Mais cette année, j'ai l'impression que t'as quand même fait plusieurs courses, à part, mettons, l'Arcana 125, t'as fait plusieurs courses de plus 50 km, t'sais, Bromont Ultra, Québec Mega Trail, t'sais, vertical ou massif du sud. Est-ce que tu fais un peu une transition vers des plus courts ultras? Ou ton focus toujours, ta passion, c'est toujours le très long? Ben moi, je pense que c'est plus l'intérêt d'aller chercher les courses les plus compétitives. OK. Cette année, ben c'était Québec Mega Trail parce que c'était dans le Golden Trail Series. Ouais, puis ouais. Arikana qui est dans le World Tour. Ouais. L'année prochaine, peut-être faire la course de Skyrunning dans l'Ouest. OK, donc, ouais, en Colombie-Britannique, là. Ouais. Ouais, j'avais vu ça l'année passée. Ça, ce serait un défi de fun. Puis t'es Bromont, je l'avais fait surtout parce que tu peux y aller en vélo, fait que c'est cool. Là. Ouais, ouais. Mais. Les gros objectifs, moi c'est plus ça, c'est d'aller chercher les courses avec les niveaux. Ouais, c'est ça, c'est souvent des fois le monde, je pense, qui voit ça comme en plus que la course est longue, plus que c'est difficile, mais c'est pas vrai pendant tout, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis c'est le fun, là, aussi, faire des courses, tu sais, que tu peux faire la course, puis t'es pas détruit pendant une semaine après, là. C'est ça qui manque un peu, tu sais, des courses plus courtes, mais dures, comme l'ancien 10 km du Québec Mega Trail, qui s'en va, qui vont venir. Des verticales, tu sais, des courses où. Non, c'est le fun, tu vas en faire à chaque semaine. Ouais. 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 Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Fait qu'on va se revoir la semaine prochaine au Massif du Sud. Oui, yeah. Ouais, merci.